Allô? Allô? Oui? C'est qui? C'est qui vous essaie de rejoindre? Mais je suis pas certain. Je pense que vous êtes trompé numéro. Ah, ok. Désolé. Ça arrive, c'est pas grave. Bye. Allô? Je pense que je me suis encore trompé de numéro. Fallait pas rappeler ou exactement le même numéro non plus. Je sais, mais je voulais juste m'excuser. Parfait, vous êtes pardonné. Bye là! Attends. J'ai le goût de parler au... Francis, dis-toi! Non, c'est pas Francis. C'est qui? Dis-moi ton nom et je te dirai. Non, je pense pas, non. Je trouve pas ça drôle. Trop weird. Quoi? Elle est pour raccrocher? Je sais pas t'es qui, mais c'est vraiment pas drôle. T'étais plus en sécurité à l'intérieur. T'aurais pas dû sortir. Qu'est-ce que vous me voulez? Je veux être toi. Je veux ta place. Quoi? Tu réalises pas toute la chance que t'as. Tu la prends pour acquise puis ça me dégoûte. Je vais t'éliminer. Puis je deviendrai toi. Ça fait maintenant 2 ans que le girl band Mad Ambition est en deuil de son 3e membre, la chanteuse Rachel Martin, qui est toujours portée disparue. C'est difficile pour tout le monde. Ce sera jamais comme avant. Mais Mad Ambition est maintenant prêt à renaître de ses cendres. Depuis 1 mois, Kyle et moi auditionnons pour les chanteuses les plus talentueuses du Québec, à la recherche de l'appel rare qui viendra compléter le duo des stars. Une des plus grosses tragédies du showbiz québécois a créé la plus grande compétition de chant au Québec. C'est fou, hein? Mad Ambition est le girl band le plus célèbre au Canada et à travers le monde. Nous cherchons quelqu'un d'hyper talentueux. La fille en question doit savoir chanter, danser, interpréter et surtout une personnalité qui ressort du lot. Une star, dans le fond. Parmi les milliers de participants, 4 chanteuses ont capté notre attention. Kim, Léa, Frédéric et Sylvia. Qui sera la prochaine Mad Ambition?
Penses-tu que c'est déjà arrivé? Allô? Est-ce que tu m'avais entendu ou... J'y crois pas à ta game. Quelle game? La game que tu joues devant tout le Québec. Ta game de fille innocente. Ok, je t'ai juste posé une question. Est-ce que je peux m'entraîner en paix? J'arrive pas à croire qu'on se rendu en finale. Je sais, là, c'est malade, c'est comme un rêve qui se réalise. Je sais pas pour vous, là, mais mon rêve, c'est de gagner. Gagner, ce serait fou. Mais faire la finale, c'est pas rien. T'es toujours si de bonne humeur le matin. Toujours. Salut les filles, est-ce que je vous dérange? Ben non, non, entre Francis. Parfait. Puis, comment on se sent? Fébrile? Oui, non, peut-être? Donc, Léa, Kim, Fred, il manque pas quelqu'un. C'est bien pas supposé être ici. Est-ce que quelqu'un l'aurait vu, croisé? Écoute, je suis vraiment désolée, Ki. Je sais, je t'entends, mais... En tout cas, on se demandait justement où t'étais. Mais il y avait du trafic, puis... Je suis vraiment désolée. Ok, mais est-ce que ça va? T'as de l'air un peu débordée? Ouais. Ok, fait que ça va aller. Mm. Parfait, c'est tout ce que je voulais entendre. Félicitations, les amis. Vous vous êtes rendus en finale, c'est pas rien. Je pense qu'on peut s'applaudir. Donc, voici l'horaire d'aujourd'hui. À 8h, je vous passe ça tout de suite. À 8h, vous avez un photoshoot avec Groove Magazine. Par la suite, vers 11h, vous allez... Oui, vous pouvez entrer. Salut les filles, on est tellement contentes d'enfin vous rencontrer. On a vu absolument tous les épisodes de votre show, là, puis on est en amour avec vous. On sait à quel point vous avez travaillé fort. Comment on sent d'être en finale? C'est fou! Excusez, on vient de me dire qu'il y a un petit problème au niveau du son. On va juste reprendre l'entrée des filles, ok? Vous pouvez me suivre. En passant, vous autres, très belle réaction, ok? Vous me gardez la même spontanéité. C'est parfait! Ok, on l'a fait! C'est ça qui te met dans tous tes états. Mais là, on en reçoit toutes des lettres de menace. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'es célèbre et qu'il y a des gens du petit peuple qui optent sur toi. Faut le voir comme un compliment. Je sais pas si je serais capable d'y arriver. C'est comme trop pour moi. Hey! Combien de petites filles rêvent d'être à ta place? Je vais juste rentrer chez moi. T'aurais fait tout ça pour rien? Thank you.
policier. Je pense que Kim le sait. Kim, c'est quoi? Je sais pas quoi exactement, là, mais elle a vraiment l'air de se douter de quelque chose. On va faire quoi, Francis? Elle a dit quoi exactement? On peut pas me faire confiance puis que je joigne bien. Rien dit d'autre? Rien. Si c'est rien, ok? C'est pas grave, ça veut rien dire. Francis, c'est ton show. Hein? On peut pas prendre de chance, là. Faut que tu trouves un moyen de... On va l'éliminer. C'est bon, vous avez capté? Je pense qu'on va prendre un break. C'est bon, prenez votre caisse puis on revient. Ça va? Ouais. Fait que c'est avec cette choré-là qu'on ouvre le show? Non. Non, non, vous en faites juste une. C'est de la fin avec la gagnante. Ça va être qui, vous pensez? De quoi? Ben la gagnante, là. Je sais pas, moi. C'est le Québec qui va décider. Y a pas de caméra autour, Stacy? On n'est pas encore sûr. En tout cas, si vous voulez mon avis, à part de Kim, je vois pas que ça pourrait. Mais tu folle, t'as pas vu son attitude de merde? On a-tu vraiment besoin d'une autre Rachel? Comment, mes filles? Stacy, fais pas semblant que Rachel, c'était pas la pire des divas au monde. Elle avait un sale caractère, mais je vais pas parler en mal d'une fille qui est toujours portée disparue. Ok, entre toi pis moi, il y a des fortes chances qu'elle ait couru après. Elle avait tellement besoin d'attention. C'est pas pour ça que vous faites le métier? Pour de l'attention? Dans son cas, c'est différent. T'as-tu déjà oublié la fois où elle t'avait humiliée en pleine entrevue? Je l'ai jamais vraiment portée dans mon cœur, mais on n'est pas là pour juger, on est là pour danser. Donc, prenez votre 15, puis on recommence. Allô? Mon Dieu, t'es sûr que ça va avec la chorégraphie des filles? Ouais, ouais, ça va très bien. Ok, parfait, je te laisse. Fais juste pas oublier de prendre une grande respiration avant d'entamer ta dernière note. Mais je sais, ça va tellement vite. Je comprends, mais t'as le temps. Prends-le. Bon, ben c'est pas mal ça, hein? Fait qu'on se voit demain pour la finale. Oh my god, stressant. Ouais, je sais. Mais les filles, vous êtes toujours des gagnantes, quoi qu'il se passe, OK? OK, coupé! Bon, ben c'était parfait, on a fini avec... La pratique des chants, les filles, vous pouvez vous prendre un 15. Et merci, Carl. Très bon job. On a fini avec toi pour aujourd'hui, mon gars. Cool. Merci. Merci. Hey, les filles! Bonne chance pour demain. Merci. Hey, Sylvia. Hey. Est-ce que ça va? T'as pas l'air affilé.
Je suis une grosse semaine. Je comprends. Hey, on a eu du fun au dernier party, hein? Je pense que je vais y aller. T'sais, moi quand je bois là, je vais être vraiment intense. Mais t'sais, ça te va déranger. Genre, tu me l'aurais dit si ça t'avait dérangé. Pourquoi tu me parles de ça maintenant, là, là? Mais parce que je m'inquiète pour toi. T'sais, t'avais tellement l'air de pas filer cette soirée-là que... Ce que je veux dire, c'est que il y a des filles qui pourraient créer des histoires, inventer des grosses histoires pour pas grand-chose. Mais t'es pas une fille de même. Je sais que t'es pas une fille de même. Une fille de même. Je pense que t'as compris. Passe une belle soirée. Brûlé. Un et deux. J'aurais jamais pensé que ça aurait été aussi difficile. Toute cette pression. Faut pas que tu te fasses ça. Tu fasses quoi? La pression. Elle est dans ta tête, t'as tout ce qu'il te faut. T'es prête. Toi, des fois, t'es une vraie bitch. Puis, deux secondes après, t'es la grande sœur que j'aurais toujours voulu avoir. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un personnage complexe. Ça t'arrive-tu de penser à Rachel? À ce qu'il serait arrivé? J'essaie de pas y penser. J'essaie de me dire que c'est un mal pour un bien. J'ai lu tellement d'affaires dégueulasses sur Internet. Comme quoi? Que ça aurait l'air que ça serait l'une des filles du Ben qui l'aurait tué par jalousie. T'aurais été capable, toi? De quoi? Tuer quelqu'un? Non. Non, je crois pas. Toi, oui? Moi, ouais. Pour les bonnes raisons, je pense que j'en serais capable. Je vais rentrer tout à l'heure. Allô? Allô? Je vous ai déjà dit d'arrêter de m'appeler. T'étais plus en sécurité à l'intérieur. C'est sûr que je sais pas comment trouver les bons mots pour vous en parler. Les prochains jours vont être difficiles. La production de l'émission sera suspendue jusqu'à temps qu'on ait plus de détails sur la disparition de Kim. Bien sûr, on va vous tenir au courant des avancements d'enquête. Sur ce, merci. Soyez prudents, ok? Rentrez bien, là. Francis, prends soin de toi, ok?
est top hier. Elle va aider Nikki, puis maintenant, là, elle a disparu. C'est pas ce que tu penses. Si tu me dis pas qu'est-ce qui se passe, j'appelle la police. C'est pas ce que tu crois. Mais qu'est-ce que je dois croire, Francis? Je suis ma petite soeur, ok? Attends, là, je comprends plus rien. Hey, je suis persuadé qu'une des filles du band avait peut-être. Pourquoi produire un show pour la remplacer? Pour faire gagner Léa puis infiltrer le groupe. Ça fait 2 ans qu'elle et moi on tente de savoir ce qui s'est passé. Mais là, avec un deuxième enlèvement, je sais plus. Je sais plus quoi penser. Je veux juste savoir ce qui est arrivé à ma petite soeur. Pas dû sortir. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux être toi. Je veux ta place. Quoi? Tu réalises pas toute la chance que t'as. Tu la prends pour acquise puis ça me dégoûte. Je vais t'éliminer. Puis je deviendrai toi. I am playing games, every word that I say is coming straight from the heart. So.